Et salut tout le monde, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27 de ce Let's Play sur Resident Evil 4. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, rappelez-vous, nous avons combattu contre deux boss. Eh oui, pas un boss, mais deux boss en un épisode. C'était franchement très sympathique parce que c'est vrai que l'action était au rendez-vous. J'ai vraiment bien aimé cet épisode. Bon, il y avait la première partie avec le boss qui ressemble à une espèce d'insecte, enfin une grosse... je sais pas comment on pourrait définir ce monstre. On va dire un monstre, voilà, tout simplement. Première phase dans l'espèce d'arène suspendue, et deuxième phase à terre. Il était sympa. Au début, j'avais un peu peur quand même, je pensais qu'il aurait été beaucoup plus compliqué que ça, mais en fait, non, ça a été. Bon, après, il y avait bien sûr Closer. Bon, lui, il était vraiment beaucoup plus compliqué. Vraiment, je crois que de tous les boss qu'on a fait, je pense que c'est lui quand même le plus dur. Parce que il est vraiment très chaud, il fait quand même pas mal de dégâts. Et en plus, il est stylé. Voilà. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Et donc, du coup, ben là, on attaque le chapitre 5-4. Donc, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre. Donc, je pense qu'on va faire tout le chapitre dans cet épisode. Donc, ça risque d'être un long épisode, peut-être 40, même voire 50 minutes. Mais bon, allez, de toute façon, je pense pas que l'épisode suivant arrivera tout de suite, vu que ça sera l'épisode final, à mon avis, je pense. Je ferai, comme j'avais fait sur mon let's play sur Pokémon Crystal, c'est-à-dire un petit GMV juste avant, une petite intro assez sympathique. Donc, je pense pas que l'épisode arrivera tout de suite, donc lundi. Je pense qu'il arrivera plus vers mercredi, donc un gros épisode de 50 minutes, je pense que c'est pas trop dérangeant. Vu qu'il y aura bientôt une semaine d'attente entre les deux épisodes. Et on va arrêter de parler, on va déjà ramasser cette petite plante, voilà. On va regarder vite fait notre inventaire. Bon, j'ai pas beaucoup de munitions de fusil à pompe, j'en ai utilisé quand même bientôt la moitié. Ouais, on va prendre le petit pistolet. Bon, on va ranger un petit peu vite fait hein, l'inventaire, pour que ça soit un peu moins mal rangé, tout simplement. Hop, on va mettre ça là. Hop, la grenade, on va la mettre ici. Ça, on va mettre ça là. Ça, tu vas aller là. Là, toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller là. Et comment on va faire là? Et toi, tu vas te mettre là. Et la petite dernière, on va la mettre là. Bon, on va dire que c'est rangé à peu près bien. Ouais, on va dire que c'est à peu près bien rangé. On va garder notre pistolet et on va continuer vers la suite. Donc je sais pas ce qui nous attend. Enfin, on va regarder vite fait la carte. Ouais. Ça, à mon avis, je pense qu'il y aura... Ah oui, une grosse zone. À mon avis, je pense qu'il y aura beaucoup d'ennemis. On devra combattre contre beaucoup d'ennemis, à mon avis. Ouais, toute la résistance des Ganados qui vont se jeter contre nous. Bon, bah, on va y aller. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? You killed Krauser, too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Oh, il fait des gros yeux, là, il est pas content, il veut nous tuer. Bon, bah, c'est parti, on va aller le tuer, nous, dans le prochain épisode. Vérifie la pression de sa valve. Et tu? Viste algo? No hay problema. Damn. Yeah.
It's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Merci Mike, tu nous as sauvés de tous ces Ganados, mais il en reste encore. Va nous couvrir. Oh oh. Oula la 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 la. Oh, attendez. Des munitions, eh oh, je passe pas à côté de ça moi. Oula la 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 la. Ah putain, il est fort lui. Il est fort, il se fait tous. Oula, attendez. Je ramasse ça parce que il y a des soins dedans et il y a des trucs. On peut pas passer par au-dessus. Non, on peut pas passer. Allez, c'est parti. Oui, alors le mec a au lance-roquette là. Oula, et oh, les petits cocos là. On va prendre le fusil à pompe, on va les faire tomber parce que... Toi t'es pas mort, tu vas mourir maintenant, voilà. Et on est en train de se faire un peu défoncer. On va vite se soigner quand même. On va mettre une petite plante, on va reprendre notre petit pistolet. Et on va courir. On passe par où? Ah, on va aller là. Ouloulouloulouloulou, on court. Allez hop, on passe. On prend les munitions de pistolet. Oh, il y en a encore. Oui. Y'a quelqu'un. Oh. Hop, tu meurs. Hop, on va aller là. On va tuer... Ah bah il est parti. Ouais, il a tout défoncé. Ça va, il fait plaisir Mike. Ça c'est du renfort. Par où faut aller? Attendez, on va déjà ramasser une grenade aveuglante, d'accord. Attendez, faut aller par où? Ah, je suis un peu paumé là, je vous avouerai. Écoutez, je pense que je vais pas aller tout récupérer parce que je pense que sinon on en a pour longtemps. À mon avis, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à récupérer, donc hop, hop. Oula. Non. Ah oui, il est là-bas lui. Attendez, on va se remettre là. On va prendre le sniper. Attendez, on va juste faire un truc. On va équiper ça plutôt. Parce que la visée... Ah oui, non, mais alors toi... Toi, mon ami, tu vas mourir. Oh, fou. Quoi? Il se passe quoi là? Attendez, je me fais allumer de tous les côtés. Ouh, alors lui, on va l'avoir.
Non. Sniper. Oui. Non. Hop. On se barre vite. On va se couvrir. Il est où? Il est là-bas. Oh, il tire. Non. Léon, tu fais n'importe quoi. Arrête, excusez-moi, je tire à côté. Non, mais purée, je sais pas faire. Enfin, je sais plus faire. Avant, j'avais bien tiré. Enfin, faire. Oh, on va aller récupérer les munitions. Comment on y accède là-bas, cette plateforme? J'aimerais y aller. Oh, il y a une plante rouge là-bas. Comment on y accède? Ah, peut-être par-dessus. Ouais, par-dessus. Bon, la plante rouge, voilà, quoi, c'est en bas, on va pas y aller la récupérer. Enfin, quoique. Ah, peut-être. En fait, je ne sais même pas s'il faut descendre. Je sais pas où il faut y aller, en fait. Tout simplement, faut tirer là-dessus ou... Non, c'est un levier. C'est un levier. Faut... actionner. D'accord. Alors, écoutez, je passe à côté de plein de choses, peut-être, mais bon. Non. Attendez, on va quand même récupérer parce que... On va quand même récupérer parce que sinon après je serais un peu triste. Oh. Désolé, je perds du temps mais je préfère quand même récupérer parce que je sens qu'on va avoir besoin de soins. Je préfère prendre des précautions, aller tout doucement. Plus, oh il y a 5000 pesetas. Ah moi je passe pas à côté moi. Alors désolé si je perds du temps, hein, qu'à faire ça, mais bon, je préfère bien le faire. Ramasser toutes les munitions, tout ça, que de mal faire. Oui. Ah oui, voilà. J'allais dire. Et on se casse vite d'ici parce qu'il y a des mecs qui sont pas contents, qui sont derrière nous. Voilà. Ah, ça par contre. Oh. Bon, on va vite aller là. On va se caler un petit soin. On va combiner ça avec ça. Allez, fuck it. Fuck it. Bon, y'a personne. Non. Retourne-toi, Léon. Y a-t-il des gens? Ça a explosé. Ouais, alors lui il est chiant. Il y en a un qui est chiant. On va courir, on court, on court, on court, on court. Et on court. Non, mais purée. On va se faire avoir à chaque fois. Oh, on va se cacher là. Alors attendez. On va juste checker. Il y a des mecs. Il y a lui là-bas. Ah non mais attendez mais... Non. Bon. On va sortir les grands moyens. Toi là-bas tu crèves. Toi tu crèves. Bon. Efficace. Attendez, les mecs ils arrivent là. On va se dépêcher. C'est bon. What the fuck, il est où? Ah oui, d'accord, ah oui, non mais c'est le mec qui m'attaque aussi. Désolé, je fais un peu n'importe quoi. Ouais, là-bas. Non, c'est vrai que je fais un peu n'importe quoi, je joue un peu n'importe comment là. Mais bon, après. Je crois que pendant tout le let's play j'ai toujours mal joué donc c'est pas trop dérangeant encore. Ouais voilà, tombe comme je sais pas quoi. Hop. Ah oui non mais... T'as pas...
t'as pas à avoir un casque, toi tu meurs. Ah! A-t-on fini? On dirait bien. Eh oh! Bah écoutez, le mec il... Bon. Merci. En fait, je joue super mal parce que dans... Comment dire? Il me semble qu'en fait, le mec, il nous aide beaucoup si on joue mal. Et là, il nous aide beaucoup, donc... Ouais. Bon, c'est vrai que je fais un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure. J'ai ma manie qui fait qu'à chaque fois, j'essaie de récupérer tous les objets possibles. Parce que il me semble que c'est pas la... seule... Ah, je peux pas descendre par ici. C'est... Il me semble que c'est pas la seule zone de... où il y a beaucoup d'ennemis. Il me semble qu'après aussi, il y aura beaucoup d'ennemis. On aura droit à tout... à tout le comité d'accueil. Ah! Pas de paix. Bon, il y a un mec qui est tout seul. Bon, on le laisse. Nous, on part. Nous, on part! Bon, on s'en est pas trop mal sorti. Même si j'ai très mal joué. Ça, c'est indéniable. Mais bon, au moins on s'en sort avec pas mal de munitions encore. Ouais, ça va, correct. Get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. Mike! Sure, you're the next to go, Sadler. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Ils ont tué Mike. C'est pas juste. Pourquoi ils ont tué Mike? Mike, c'était notre ami. Enfin, vite fait, c'était notre ami, on le connaissait pas, mais... Bon, voilà quoi. On avait fait connaissance, on a tué quelques Ganados ensemble. Mike. Je vais faire en sorte qu'il paie. Ouais. On va tuer Lord Sadler et on va te venger, Mike. On va essayer de tuer Lord Sadler. Mais bon, pour l'instant, on a des Ganados à tuer. Donc on va les tuer. Juste munitions. J'ai combien de munitions de... On va recharger ça. 69. Bon. Ça va. J'aimerais bien quand même en avoir un peu plus, mais bon, c'est pas trop négligeable encore. On va mettre ça là. Bon, je vais ranger plus tard parce que là. Bon, on s'en est pas très mal sorti pour l'instant. Enfin, c'est pas très compliqué en même temps vu que j'étais un peu super nul et l'autre il a tout fait du coup vu qu'on était super nul. Mais bon. Où
est-ce qu'on va là? Ah, d'accord. Pas une petite... Ah, c'est quoi ça? Pendentif à perles. D'accord. Bon bah on va le revendre au marchand dès qu'on va le croiser. Leon, you okay? Yeah. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. On a fait tuer notre copine quand même, quoi. Heureusement qu'elle nous a planté son petit couteau dans notre cuisse. Bon, bah du coup, nous, on va rentrer là-dedans. Ah, non. Non. Vous l'entendez? Ah, moi, je l'entends. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'il y a là-dedans. Il y a un refinat de res. Pourquoi, Dieu, tu me fais ça? Tu ne m'aimes pas. On va sauvegarder. Bon. Ben, attendez. Attends, mais il y a un autre petit truc là. Ils sont stressants, je les aime pas, ils sont, on sait qu'ils sont juste derrière nous, et... Non, je les aime pas. On va déjà... On peut ouvrir ça. Oui. Hey. Pourquoi tu bouges? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. On fait quoi? On y va? J'ai pas envie d'y aller. Bon. On n'a pas le choix. Je suis sûr qu'il va... C'est des cellules? Oh non, mais l'ambiance, quoi. Il va sortir des cellules. Attendez. On va vite courir. Je crois que... Ouh, il est derrière nous. Non, pars! Non! J'ai pas visé! Oui! Non! C'est... Non! Ah oui, enfin! Ok, bon, alors j'ai super mal visé, mais on l'a eu. C'est le principal. Ah, mais il nous reste plus de balles de... Ah non, mais sérieux! Bon, il y en a plus. Bon, ben, je suis super nul. Conclusion du let's play, super nul. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai pas toujours été très doué à ça. Je me concentre pas assez, je pense. Y a pas des trucs ici. Un lavabo qui est tout crade. Et là-bas, j'aimerais en fait avoir des munitions de... Ah, voilà, des munitions de fusil. On va recharger. 19. Bon. Je pense qu'on aura assez jusqu'à la fin. On va pas tant utiliser le fusil que ça. Ça se dit cette phrase? Ouais, bon. Vous m'avez compris.
Où est-ce qu'on atterrit là par contre? C'est un marchand, je veux bien marchander avec lui. Ah. Ah non, j'aime pas ça. Encore une zone avec des zombies, je parie. Ah, on les entend. Oh non. On va prendre. On va équiper à nouveau ça. Avec ça, je pense qu'on aura plus de trucs maintenant. De Reginald Dores. Et lui en plus, il avait un truc qui sortait de sa tête. Salut les mecs! Toi, je te tue parce que t'as un archer. Toi aussi t'en es un. Oui. Bonjour. Oh! Ah oui, c'est vous êtes comme ça vous. D'accord. Pas très optimisé ce que je fais, mais... Allez, tombe toi. C'est bien. Il y a encore des ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. Ah non, il y a l'autre là. Ah attendez, on va se planquer derrière le petit truc. On va essayer. Oui, par contre, on va juste faire un truc. On va vite se soigner avant. Parce que je pense que s'il nous touche, il nous tue. Eh, hey, Gigi. C'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Gigi. Hop. Ça va, les autres mecs, ils nous attaquent même pas. Oui, alors par contre, si tu te mets derrière le mur, c'est sûr que tu nous auras pas, espèce de... Ah, par contre, on peut pas le viser. Il le fait exprès? Non, il le fait pas exprès. Bon, on va ramasser ça avant que ça parte. Ouh. Ouais, mais attendez. Là, il s'énerve. Je perds du temps sur lui, je sais. Oui, alors par contre, toi, petit. Le petit, tu restes là où t'es. Voilà. On va reprendre le fusil. On va essayer de l'avoir. Parce que sinon, je pense que ça va être super chiant. Allez. Ah, non. Ah, c'est bon. On est débarrassé de lui. On va prendre le pistolet. On a 50 balles. Ça devrait le faire. Bon, alors du coup, faut aller où? T'es sérieux? Il reste là, lui? Sérieux? C'est nul. Non. Hop, on va aller là. Oui. Voilà. On le tue. Toi là-bas. On va te terminer au couteau. Ça va, les mecs ils sont pas pressés de nous tuer. Non mais alors toi, Plagas. Voilà, on va vite se soigner. Alors c'est vrai que je me soigne tout le temps depuis tout à l'heure, mais bon. C'est vrai que ça fait baisser la difficulté du jeu de se soigner beaucoup. Alors c'est pour ça, depuis le début j'arrête pas de me soigner. Bon bah c'est pas trop grave. Bon c'est vrai que ça serait un peu dommage, c'est vrai pour les puristes qui aiment bien la difficulté, mais bon. Commenter et jouer en même temps, c'est pas pareil. Enfin c'est difficile. C'est tout? Non, je pense pas. Est-ce tout? Non. Vous verrez, je suis sûr qu'il y en aura encore plein. Oh, il se planquait là-haut en plus. Hop, on récupère. On prend. Des pesetas, c'est très bien. Là, examiner. Lecteur. La carte. Ah, faut une carte. Ah, je passe à côté de ça. Merci. Il n'y a plus personne. On les a tous tués. Bon, bah écoutez.
Vous n'avez pas beaucoup. Bon ben, c'est bien. Heureusement que je suis nul. Non. Même une caisse, j'arrive pas à la tuer. Non mais, bibi, tu fais quoi? Voilà. C'est bien, Léon. Pauvre Léon, il y est pour rien. C'est moi qui le joue mal. Ah. On récupère. On récupère. Ah oui. J'ai trop de soins. Avant, j'avais pas assez de soins, maintenant j'en ai trop. Non. On va les mettre ici. Hop. Du coup, on a plus de tuche. Ah, bien évidemment. Il y a des mecs qui... Hop. Ah, comme par hasard. Ouh, il y a un archer. Un archer, un truc, est-ce que ça marche d'ici? Ah non, mal visé. Mal visé, oula. Partez. Ouh. Ouais. On est en train de faire un beau carnage. Et il y a le mec avec son arbalète. Voilà. Petit bug d'animation, mais on l'a eu quand même. Ah, par contre, il y a un mec, je sais pas où il est. Oh, bonjour. Voilà. Hop. On te tue. Tu meurs? Ah, mais toi, t'es chiant, toi. Voilà, on t'a eu. On va aller là-bas. C'est bon, y'a personne. Hop. Là. Une plante jaune. On va la combiner tout de suite avec une machin comme ça. Voilà. Là. Actionner. Ah. Oui, bonjour. Non. Ah mais je peux pas pour l'instant. Il me faut le truc. Ah, je l'ai pas vu lui. Mais... Meurs. Ah non, meurs pas. Enfin, si, meurs, mais on a fait se faire toucher. Oui, par contre... celui qui est censé me donner le truc, il est où? Je suis d'accord, je veux bien la carte d'accès, mais... elle est où la carte d'accès? Ah, elle est là. Ouais, on va activer. On va appuyer sur les petits boutons. Et on va vite sortir d'ici, Léon. Merci. On va vite sortir d'ici. Oui, on appuie sur le bouton. J'ai l'impression que tu en facile. Ah là là. Je fais beaucoup de... Beaucoup de n'importe quoi. Ça se dit pas, mais voilà. Je l'ai inventé. Je fais beaucoup de n'importe quoi. Bon, c'est vrai que ça me perturbe un petit peu, quoi. Je pourrais un peu mieux jouer. J'augmenterai un petit peu la difficulté, parce que là, bon, c'était un peu ridicule. Ah. J'espère au moins que le boss sera compliqué, parce que, bon, sinon... un peu triste, sinon, s'il est pas compliqué.
Oui, on va où là? Je défonce la porte. Oh, des petits mecs. Est-ce qu'ils sont morts? Non, on va prendre la TMP, on va les lâcher avec ça. Voilà. Bim, ils sont morts. Ah, on peut ouvrir ça? Oui, on peut ouvrir. Des munitions de fusil à pompe, merci. Et oui, bon bah du coup, je sais pas où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on va? On se dirige vers où là? Attendez. D'accord. Ça me dit pas vraiment où. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Ah d'accord, bon déjà on a retrouvé Ashley, c'est très bien. Et il y a l'ensemble qui est juste derrière. Possible d'aller par là. Ouais, bon bah, ok. Oui, bon. Il a l'air très fort quand même, leur Saddler. Mais bon, on va quand même réussir à le battre. Oui. Bim. Tape sur les portes. Alors, il y a un vendeur. Oui. C'est tout. Attendez, on va ramasser la plante. J'avais vu un papier. On va ramasser le papier et on va aller lui parler ensuite. Non. Prendre. Les mots de lui, 5. Après avoir conclu la première phase de recherche, nous recherchons un moyen efficace et sans danger de retirer les plagas. Quelle ironie. En réalité, ces recherches n'avaient pas pour but de trouver un moyen de retirer les plagas des sujets infectés, mais de rendre les plagas plus difficiles à extraire du corps d'une victime. On a finalement découvert qu'il est possible de supprimer les plagas en les exposant à des radiations spéciales. Le seul inconvénient de cette méthode et qu'elle est très douloureuse. Vu que les plagas s'attachent aux nerfs, l'intervention peut provoquer perte de connaissance chez l'hôte. N'oublions pas qu'une fois le plagas a atteint l'âge adulte, l'intervention visant à le retirer pourrait provoquer la mort de l'hôte. Ceci dit, vu l'effet que produit ces créatures, la mort est peut-être préférable. Tu crois? Je pense pas, non, quand même. Toi. Welcome. Salut, mec. On a des choses à te vendre. Ouais, pas entier. Ah, écoute, on peut optimiser un truc ou pas? On a 67 000. Broken Butterfly. Ouais, on pourrait l'améliorer. On va regarder vite fait. Eh oh, je te parle. Yo! Voilà, merci. Oh, peut-être le Broken Butterfly. On s'en sort pas trop, mais bon. Quoique non.
On va améliorer la TMP au maximum. Ouais, on va faire ça, plutôt. Je préfère. Oui. Bon, bah du coup, on va aller là. Alors, ça fait 40 minutes qu'on tourne. Bon, bah ça sera un long épisode, du coup. Attendez, j'avais vu notre porte, moi. J'ai pas rêvé, il y a une porte, là. Il y a une porte juste là. What the fuck? Bon, c'est pas grave. J'ai des portes, y'a plus de portes. Ah non, alors vous, les mecs, écoutez. J'ai sauvé ma copine. Vous allez pas m'embêter longtemps, hein. Je viens de sauver à peine... J'ai à peine de sauver ma copine. Toi, reste là-bas. Voilà, toi tu meurs. Quelque chose à dire? Non. Bon. Oui. Follow me. Viens, Ashley. Ça met nous là. On va regarder vite fait où ça mène. Je crois pas que c'est par là, mais bon, on regarde vite fait. Ça mène. Ah! Ah oui, ça remène là. Ouh, y'a pas Lord Saddler? Non, c'est bon. C'est bon, y'a plus Lord Saddler. Tranquille. On va regarder un petit peu. Ouais, enfin, en fait, y'a rien à regarder. Y'a rien à faire ici. Examiner. Qu'allait-il lui faire, ouais. Qu'est-ce qu'ils allaient te faire, Ashley? Tu sais pas, non, tu sais rien. Tu sais jamais rien, de toute façon. Toi, tu sers un peu à rien. Il doit y avoir un truc, là. Attendez. Là, on fait pas tout ça pour rien, j'espère. Ouais. Et munition de Magnum. Et ah oui. Ah oui. On fait tout ça pour rien. Bon, bah on a perdu du temps pour rien. C'est pas grave. Ça fait durer l'épisode. Non, mais bon, je croyais qu'il y avait un truc beaucoup plus important que ça, mais en fait, y a que dalle, quoi. Une plante rouge, c'est bien, mais bon, on va la combiner vite fait. On va la combiner vite fait, oui. Ouais, ouais. Hop, peut-être l'utiliser, d'accord. Voilà. Bien. Voilà, on s'est soigné. Ah, mais du coup, je sais même plus comment on sort. Ah non, mais c'est par là. Ah là là. Tout ça pour rien. Bon, on va continuer vers la suite du coup. la suite, mais je ne sais même pas s'il y a un point de sauvegarde. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. Sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Ouais, il est temps d'en finir. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. La suite, le dernier chapitre. Bon, ben, du coup, on va terminer ce jeu
Dans le prochain épisode, donc l'épisode 28, qui n'arrivera pas tout de suite, hein, qui arrivera plus vers mercredi, je pense. Peut-être, oui. Je verrai, je dirai, de toute façon, je publierai un petit post sur la chaîne pour dire quand il arrivera. Ce chapitre, bon, c'était bien. Par contre, j'ai très mal joué, oui, ça j'en suis conscient. Je suis pas un parfait joueur à ce jeu. Donc ça a été correct, on n'est pas mort. C'est le principal, on n'est pas mort. Bon après c'est vrai que j'ai pris beaucoup de dégâts, j'ai arrêté pas de me soigner. Donc du coup j'ai baissé la difficulté du jeu, mais bon c'est pas trop grave. Pas trop grave. On a tué 935 ennemis. D'accord. Et là on a tué 67 ennemis. Waouh, c'est quand même pas mal. Tutko but 65. Ouais, bon. Je suis pas très doué, hein, mais bon, c'est pas trop grave. Ça fait combien de fois que j'arrête pas de dire c'est pas trop grave? Oh, je sais pas. C'est pas grave, encore une fois. Je me répète. Bon, en tout cas, on va se laisser là. Si l'épisode vous a plu, bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez des petites astuces pour la fin du jeu, pourquoi pas, ben, n'hésitez pas à me les dire. Mais à mon avis je pense que ça tout ira bien. Dans mes souvenirs le boss c'était pas très compliqué. Ouais, dans mes souvenirs il était pas très compliqué. C'est vrai que sur ce sujet là pour moi le boss le plus dur c'était Krauser. Bon, on verra bien avec lui, mais je pense que ça restera quand même Krauser. Ouais, on verra ça pour le prochain épisode. Du coup on va se laisser là. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour l'épisode final. Allez, bye tout le monde.